Comment tu vois? Ex-MJ30, c'est pas... Ex-MJ30. Voilà. Mais maintenant, c'est MJ Maria. MJ Maria. Ok. Et pourquoi t'as changé en Maria? C'est ma nouvelle identité. Mm-hmm. Il y avait plusieurs noms, t'as choisi que Maria. En fait, c'est mon prénom. Oui. Marie-Josée, Maria. D'autres personnes appellent Mariam, Maria, Marie. Mais le Seigneur a préféré m'appeler MJ Maria. Et ça accompagne aussi ma nouvelle identité. Alors, on te reçoit parce que tu viens de sortir un nouvel EP de 3 titres. Mais avant de rentrer en profondeur sur ces EP, est-ce qu'on peut faire un petit récapitulatif de ton parcours, tes débuts dans la musique, comment c'est passé? Je commençais d'abord par aimer la musique. Mm-hmm. J'aimais chanter dès le bas âge. Mm-hmm. Je chantonnais. À la maison, j'étais bavarde, je chantais, j'aimais beaucoup et je suivais ma grande sœur qui était à Bethel, hein, chez Papa Emmanuel, qui est parti. Voilà, j'étais à l'Écodim, je chantais. Et puis, quand j'ai commencé à grandir, je suis allée à l'église catholique, à la cathédrale Notre-Dame de Lingwala. Mm-hmm. Et j'ai chanté là-bas, j'ai acheté un orité. Puis j'ai suivi en fait la musique, j'ai suivi la musique comme ça, c'était vraiment, c'était chanté. Mm-hmm. J'ai à la chorale, et puis je suis allée à l'Armée des Victoires, chez les pasteurs Coutinou, et j'ai chanté là-bas dans un groupe cool du Christ. Mm-hmm. Après, je suis allée étudier la musique, et voilà, j'ai commencé comme ça à accompagner les artistes. Je suis allée dans Wassa, on a créé un groupe, mm-hmm. les groupes Wassa avec les autres amis. Et après, mon rêve, c'était de devenir une star, de chanter. Déjà, on est encore petite, toi. Enfin, là, j'ai survolé un peu. Ouais, c'était déjà là, c'était dans mes 15-17 ans, tout ça là. Et quand j'ai commencé aussi à découvrir d'autres personnes, les artistes américaines, les stars de mon pays, voilà, je disais, j'ai aussi être une star, j'ai chanté, tout ça là, j'ai chanté. Et jusqu'à ce que je suis allée dans les groupes, quand j'étais encore dans le monde, Kofi, Lomidé, et maman Chala Moana. Parce que je rappelle, dans mon cursus, on a connu avec pas mal de grandes artistes du pays. Oui, mais avant d'en arriver là, est-ce que... Quand tu grandissais, à quel moment tu t'es dit que je vais faire de la musique maintenant? À quel moment? C'est que c'était l'amour. Parce que tout ce que tu peux faire, il faut d'abord l'aimer. Ouais. C'est l'amour de la chose. Mmh. Et je me suis laissé à la musique. Okay. À cette moment-là, de m'amener là où elle voulait, en fait. La musique m'a amené. Et voilà, là où... En fait, où j'ai trouvé la musique, j'ai resté là. J'allais vraiment, je me donnais, quand c'était la musique, je me donnais. Mon père, un jour, quand je voulais même aller étudier carrément, aller à l'INA, pour aller étudier la musique, j'ai dit à mon père, j'étais en 3e des humanités, je voulais maintenant choisir quelle section, vous savez, au Congo. J'ai dit à mon père, je vais faire la musique. Ma grande sœur Sarah Moué, qui est aussi chanteuse, je la salue. Et elle a dit non, pas question avec mon grand frère papy. Mmh. Et ben, non, pour les parents, la musique c'est vraiment un métier de fous. Hein, mmh. Elle ne voulait pas. Ouais. Et surtout qu'à l'époque, maman n'était plus. Et voilà, leur cadette, faire la musique. Donc, elle ne voulait pas du tout. Mais pour dire quand est-ce que exactement j'ai commencé à faire ça, en fait, c'est venu comme ça. Et puis ça, j'ai donné vraiment le temps, l'amour, mon talent, j'ai mis tout, vraiment, j'ai mis, tout de moi, j'ai mis là, et puis ça m'a amené. Voilà. Et en termes de style de musique, t'avais un style particulier, ou pour toi, toutes les musiques, n'importe quel style, ça t'allait... Très bien.
Bon, après, Alina, on avait une façon à nous de voir les choses. On aimait bien le style de Papalo Kwakanza, la musique de recherche, la musique du monde. Voilà. Mais bon, j'étais un peu éparpillée. Hein. Moi, mes oreilles, jusqu'aujourd'hui, c'est éparpillé. J'écoute du tout. Le premier groupe que tu as intégré pour faire vraiment de la musique en tant que professionnel, c'était lequel? C'était avec Maman Chara. Oui. Tes premières impressions, c'était quoi, en fait? Je ne voulais pas. Ok. Je ne voulais pas. Je disais, mais c'est du folklore. Oh, ok, d'accord. C'est du. Je sais pas, ça ne matche pas avec moi. C'est pas. C'est pas bon, toi. Je ne me voyais pas du tout. Et c'est comme la Bible dit, hein, du fort sort du nez. Et quand, là où tu te dis peut-être que c'est pas là que tu vas, mais c'est là que les personnes m'ont connu, c'est là que les personnes. C'est là que ça a éclaté. Moi, c'est là où tu es le plus grave. Oui, mais au début, je me rappelle avec Yaji Pekis, quand il m'a conseillé d'aller là-bas, j'ai dit non. Non, je ne veux pas là-bas. Après, non, mais je sais, tout ça là. J'ai laissé ma copine, voilà, de l'autre côté, tout ça là. J'ai dit, mais non, mais c'était là. Et puis, on peut dire que c'est là que tu as eu toutes tes bases musicales auprès d'elle ou. Non, les bases musicales, j'ai eu dans Wassa, avec les professeurs qui est parti, Rigobert Mbila, professeur Rigobert Mbila, c'était là-bas que j'ai appris à chanter. J'ai appris la musique. Et du coup, après, à quel moment, bon, après tout ton parcours, ta carrière solo, machin, à quel moment le côté conversion commence à venir? Est-ce que tu le sentais venir ou c'est venu juste comme ça? Je le sentais. Ben, c'est en 2019, je pense, non? C'est en 2019 que j'ai vraiment pris la décision de quitter ça, d'échanger. Et comment c'est venu en fait? C'est venu, tu sais, il y avait des gens qui te disaient des choses par rapport à ça ou c'est venu juste comme ça? Non, en fait, moi, c'était, je pense, depuis. Parce que partout où j'allais, les personnes m'accueillaient, mais c'était. Il y avait toujours quelqu'un qui me disait, mais tu fais quoi ici? Ok. Ça, t'es là. Quelqu'un que tu connais pas ou c'est juste. Dans les groupes même. D'accord. Tu vois qu'on est en train de faire. En fait, tout le monde peut dire, ah, c'est bon, tu fais bien, c'est ta passion, si tu es. Et tu vois toujours mon grand frère ou quelqu'un. Mais je sens pas que tu sois là. D'accord. Même quand tu devais danser, je dis, mais non, laissez-moi, tout ça là. Mais tu sens pas. Et il y a plus toujours des personnes qui me mettaient toujours à part, à côté. Et même quand j'ai. Durant ce parcours-là, et tu pars, il y avait toujours quelqu'un qui te rappelait. N'oublie pas, t'es un enfant de pasteur. T'es fille de pasteur, t'es comme ça. Il y avait toujours quelqu'un, il y a quelque chose. Et même je. La regretté de Tchalamoine, un jour, me disait, il faut s'amener la carte. Tu te dis, mais. Pourquoi il dit ça? Ça n'a pas de. Donc, je pense que c'était toujours Dieu qui passait toujours pour te jeter un peu de pique. Je sentais déjà l'appel venir, même quand j'ai commencé, j'ai quitté. Et avant de venir en Europe et tout ça là, mais tu sais, quand tu es encore dans le monde, tu as. ça te retient quoi. En fait, tout le succès, c'est ça qui te retient en fait. Donc, je pense que c'est ça aussi qui retient beaucoup de personnes. Le fait de se dire que le succès, les succès trompeux, qui trompent en fait, qui te retient dans la. Qui te fonce dans le trou. Et c'est ça en fait, si tu te dis, les gens vont penser. Tu penses aux gens, tu penses à tes fans. Voilà, au lieu de penser à toi, tu penses aux. Tu penses à tes fans, tu penses à toutes ces personnes qui vont dire polémique et tout ça là, ils vont dire que t'as baissé le bras, tout ça, regarde un peu l'arrogance et tout ça. Dans une chanson d'Antiki, dans mon épée, j'ai dit. En réalité, Nazaraki Mukufi Angayo, Nakanisaki. Que Nazalaki Likolo ya Batonion sort. Mais la vérité est venue m'affranchir. Elle a ôté en moi l'orgueil et l'arrogance. Parce qu'en fait, tu es là, tu te dis, mais. En fait, tu te crois. Okay. Tu te dis, voilà, les personnes me voient, et tout ça là. Ils vont dire que Nassili. Ouais, c'est surtout ça. Et tout ça là.
C'est ça. Mm. Mais il y a toujours un temps. Entre temps, je pense que le Seigneur, par son amour, mm-hmm. il travaille petit à petit. Et je pense que au moment où j'ai dit oui au Seigneur, le Seigneur a créé des circonstances qui ont fait que je ne pouvais plus aller faire confiance aux gens, mm-hmm. chercher à appuyer sur des gens, mm-hmm. et voilà, pleurer sur les bras, sur les épaules mm-hmm. des gens. Et voilà, il fallait vraiment. Je suis restée face à face avec lui. Et maintenant, soit tu meurs, soit mm-hmm. tu me suis, soit tu es avec moi. Mm-hmm. Soit tu choisis la vie, soit la vie, soit la mort. Voilà, j'ai choisi la vie. Et après, quand ce moment est arrivé, le regard des gens, par exemple, même dans ta famille, comment ça s'est passé en fait? Ah, c'était la fête. Ah ouais? Oh là là, la ma famille. J'ai une vidéo, j'y montrerai un jour, je ne l'ai pas postée. Okay. Quand j'ai dit oui au Seigneur et que les personnes ont vu ma conversion, mm-hmm. je suis passée par les autres baptêmes, ouais. C'était en fait, mais. Je me suis dit, mais en fait, vous. Vous étiez en train de me dire ouais c'est bien, ouais. C'était beau les clips, c'était bon, ça allait bien, mais en fait vous vouliez que je sois ici. Et je me suis dit mais c'était non, mais Jésus est bon. Jésus est bon et Jésus est bon. Et en 2020 t'es passé par les baptêmes. Oui, le 23 février 2020, je suis passée par les eaux baptêmes. Pourquoi tu tenais vraiment à ça, de passer par les eaux du baptême une année après? Moi, j'étais baptisée au Congo, dans ma Angélie. Ah ouais? J'étais baptisée au Congo, okay. Mais j'ai repris ça, parce que j'avais ça à cœur. En fait, avant même que avant 2019, je commençais à remettre en doute mon baptême. Tu étais baptisée enfant ou grand ou grand, adulte ou... Grand, okay. Grand, voilà, mais j'ai... Tu t'es baptisée, mais tout en continuant tes activités. Oui, je suis baptisée le même jour que je sors de ma NG, directement boîte des nuits. Après, je suis allée fêter mon baptême en fait en boîte de nuit. Mais là, je me suis vraiment, j'ai pris du champagne jusqu'à mon goût. Ok. Donc après, j'ai commencé à avoir envie je me suis dit, non, il faut que je passe par les autres baptêmes vraiment. Vraiment. Mm. Je ne comprenais pas pourquoi, mais c'était vraiment l'appel. Mm. Et je tenais à ça parce que en fait, je voulais témoigner publiquement mon appartenance à Christ. Parce que j'ai reçu le Seigneur le 28 février, le 28 juillet 2019. Mm-hmm. J'ai fait ce pas-là, cette prière-là de la conversion. Voilà, et je suis passée par les affermissements en 2020. Une année après, je suis passée par les autres baptêmes. En fait, je ne voulais pas que ça reste privé. Mmh. Parce qu'à un moment, j'avais vraiment arrêté. Après ça, j'ai arrêté, tout arrêté. Je ne faisais plus rien. J'ai disparu complètement. J'ai suivi les enseignements. Et Dieu était en train de travailler. Et je suis passée par les autres baptêmes. Je voulais maintenant publiquement que tout le monde sache que j'écris ça. Haut et fort que je suis maintenant devenu enfant de Dieu. Et je voulais vraiment que tout le monde, je tenais à ça, que le monde entier sache qu'il y a une conversion, que le monde entier sache que il y a une fête au ciel, parce que la fête au ciel ne se fait pas quand on se marie, quand Dieu est content, mais la fête où tout le monde, même des anges sont en fête là-bas, c'est quand une âme est sauvée. Et moi, je me suis dit, il faut que la fête là soit aussi ici sur terre, que tout, que les saints, que les chrétiens fêtent aussi ça. Donc voilà. Ah ben, c'est bien, c'est enrichissant. Et après ce moment-là, en 2021, tu as sorti ton premier single, Emmanuel. Et pourquoi Emmanuel déjà? Pourquoi tu l'as titré Emmanuel? Emmanuel, c'est Dieu parmi nous, Dieu parmi les hommes. Mmh. Et c'est une chanson qui m'a aussi accompagnée pendant que Dieu s'est révélé à moi comme Emmanuel. Il m'a dit, je suis Emmanuel, je serai avec toi. Dieu m'a promis sa présence.
Il m'a dit, je serai toujours avec toi. Vous savez, quand même, avant de commencer l'émission, j'ai commencé par Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Je sais qu'il est là. Partout où je suis, il est avec moi. Donc, aujourd'hui, je sens vraiment sa présence. Il est vraiment là. Et je suis tranquille. Je suis tranquille, même dans mon profond sommeil. Même quand je rêve. Même quand je... Je ne peux pas douter de la présence de Dieu. Je sais qu'il est avec moi. Je sais que partout où je suis, Dieu est là. Je ne peux pas. Parce que je l'ai vu se manifester comme ça. Je l'ai vu se manifester même quand je pleure. Même quand j'ai des questions. Même quand je fais quelque chose qui n'est pas... Je sais qu'il n'est pas content. Je dis, Seigneur, je sais que tu es là, je te demande pardon. Je le parle parce que je sais qu'il est avec moi. Et je voulais chanter ça. Beaucoup de personnes m'ont dit, mais pourquoi tu fais une reprise? Parce que je me suis dit, mais pour les moments, je sais que Dieu a inspiré les autres. Il y a des chansons qui sont là. Je peux aussi prendre. Ben, c'est ça. J'ai appelé le pasteur Lot, que je salue. Et puis j'ai dit bon vent aussi à son album qui est sorti. Et il lui a dit, est-ce que j'ai pu chanter ça? Il m'a dit, prends tout. Tu dois prendre toutes mes chansons, la chanson. Il dit, prends tout. Pourquoi tu me demandes, prends toutes les chansons, chantier par ailleurs. J'ai chanté ça à ma sauce. Et j'ai fait le medley avec l'autre Emmanuel qu'on connaît. Emmanuel, il s'appelle Emmanuel. Donc j'ai chanté ça et... Voilà, je voulais vraiment te cacher là. Manuel est là. Amen, amen. Et là, en 2023, il y a le nouvel EP qui vient de sortir. Tout a changé. J'imagine que c'est par rapport à tout ce que tu as vécu et ce que tu es aujourd'hui. Qui a écrit tous ces morceaux? Tu as fait appel à... Non, j'ai pas moi qui a écrit tout. Il y a trois auteurs dans l'EP. Il y a moi, il y a Martin, il y a JD. Okay. Et tout a changé. C'est un jour, j'étais à l'église, j'ai monté les escaliers, j'allais vers le bureau de ma maman et j'ai croisé un frère vraiment que j'aime beaucoup. Je l'appelle mon petit papa, JD. Et là, c'est aussi un frère qui m'a évangélisé aussi au début. C'était dur. Et lui venait me chercher jusqu'à la maison à 5h du matin. Tu viens à l'église, ma sœur? Je suis fatiguée, j'ai eu le cancer là. Mais je t'attends à la gare. Et il m'a dit, même si j'ai une chanson, viens écouter. Tout a changé. Et je dis, après, bon, on l'appelle JD, descend. Il est parti. Mais moi, je suis resté chez lui avec ça. J'ai le même visage, plus la même personne. Celui qui tire des ténèbres à son admirable lumière, c'est ce Dieu-là que je sers. Jésus-Christ de Nazareth. Et justement, au retour des sonorités haïtienne, tu compas sur tout a changé, ça fait partie de tes influences ou des musiques que tu aimes bien? Comment ça s'est fait cette... Après tout ce que j'ai pu entendre, comment mes oreilles sont éparpillées, je pense que ça vient tout seul maintenant parce qu'à un moment, quand tu as trop travaillé l'écoute, tu as trop travaillé, tout ça là, ça reste là. Et du compas, je me sens très à l'aise dans les zouk, j'aime beaucoup. Et ça donnait ça. Et les personnes avec qui j'ai travaillé aussi, c'est vraiment des personnes qui vraiment, je vous bénis. Martin Moutoui aussi, soit béni. Déo Santé, soit béni. Merci beaucoup. Et merci beaucoup, JD. Merci beaucoup, Camoni Black. Merci beaucoup à toi. Et merci beaucoup. Vraiment, c'est très enrichissant. Merci beaucoup, Joseph Kinda. Merci beaucoup. Donc, c'est une grosse équipe. Vraiment, Dieu m'a béni d'avoir ces personnes-là autour de moi. Et là, la famille Isokola, la famille s'agrandit et tout ça. Et d'autres personnes aussi sont en train de se rajouter. Il y a aucune communication qui sont avec nous maintenant. Et voilà. Comment tu es structuré maintenant? Dans un label ou tu es en mode indépendant ou comment ça se passe? Je suis dans des sillons.
Défiant Production. D'accord. Et, c'est mon label, c'est ma team. Ouais. Et voilà, et Ndéla, dans le parcours, on a rencontré Aube Communication qui sont là. Vraiment une grosse équipe qui sont là pour nous accompagner. Et ça se passe vraiment bien. Mm-hmm. Ça se passe bien et vraiment, je bénis vraiment cette équipe et je bénis le Seigneur. C'est vraiment des bénédictions pour moi. Merci pour tout ce que vous faites. Le pays est béni. Maintenant, est-ce qu'il y a des représentations qui sont vues, moi choquée, moi, des petits concerts comme ça? On a beaucoup de choses. Mmh. Dernièrement, on était à Lyon, ça s'est très bien passé. On a quelques représentations déjà qu'on a fait et d'autres projets en vue. Mmh. Là, on est en train de préparer d'abord les clips. Mmh. Et voilà, on est en train de travailler petit à petit, tout ça là, on avance. Et il y a beaucoup de projets. Mmh. Et on est en train aussi de Tuzukuna, avec Farah, c'était Dieu. Et vous serez informé. Sur ma page, il y a aussi un numéro si vous cliquez appeler ou il y a aussi un numéro de contact. Mm-hmm. Et voilà, vous aurez mon équipe et tout ça là. Ils sont derrière, ils sont là, très 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 actifs. Et il y a des personnes qui veulent me contacter sur mon profil Facebook, Instagram, il y a des infos. Mm-hmm. Et voilà, c'est très facile. Mais aujourd'hui, quand tu fais la musique, c'est quoi l'objectif? J'aime bien cette question. C'est une belle question. C'est vraiment... J'évangélise par les chants, par l'image. Nous voulons, la Bible dit, ceux qui contemplent comme dans un miroir la gloire du Seigneur, ils sont transformés en la même image que lui. Nous voulons véhiculer l'image de Christ par ce que nous disons. Je veux véhiculer l'image de Jésus par comment je me présente. Je veux véhiculer l'image de Jésus par mon comportement. Je veux les comportements de Christ pour venir montrer devant les personnes. Les buts de ma musique, c'est que les personnes viennent à Christ. Quand je dis tout a changé dans ma vie, tout peut changer aussi dans ta vie, toi qui me suis. Tout peut changer dans une vie. Les buts, c'est que... Et Dieu m'a dit tout à l'heure quand je venais, je priais pour cette émission, j'ai dit Seigneur, je vais là-bas, c'est pas pour que les personnes me voient, moi, on me voit avec mon chapeau, tout ça. Je veux que les personnes te voient, toi, qu'est-ce que tu veux que je dise? Si tu me dis, je ne pars pas. Ça fait un an qu'on attend cette interview. Ouais. Aujourd'hui, tu l'as permis. Serge est en train d'arriver, dis-moi ce que je dis. Jésus a dit, il revient bientôt. Quand Jésus reviendra, toi, tu seras toujours dans les boîtes de nuit. Tu seras où? Tu es en train de marcher. Est-ce que tu t'es déjà posé la question de dire, je suis au marché en train de faire mes courses, je suis dans les grandes surfaces pour faire mes courses. S'il m'arrivait quelque chose là tout de suite, je vais où? Jésus revient bientôt. Le but, c'est que quand Christ reviendra, parce qu'il est parti nous préparer une place. Moi, j'ai dit, Seigneur, moi, je veux des villas. Je vais là où tu es là-bas, là, tu es en train de préparer les choses. Moi, je veux être là-bas. Je sais que là-haut, là-bas, il y a une place qui est pour moi. Seigneur, pardon, quand je reviens, s'il te plaît, que je reste pas. Jésus revient, c'est ça. Il veut, quand il va venir, qu'il nous prenne nous tous, partir avec lui. Moi, je ne suis pas là en train de dire que voilà, je suis sauvé, c'est bon, moi c'est bon. Quand Jésus viendra, il me prendra, je partirai, je ne dirai pas, moi, quand je vois quelque chose sur les réseaux, je dis, chasse, moi, non. Raison pour laquelle tout a changé, ce n'est pas seulement pour moi. C'est pour que les personnes qui vont écouter Natiki, qui se disent, ah, elle a laissé de se prostituer, elle a laissé de tout ce qu'il faisait, elle a laissé de faire, de se la montrer, de faire quoi. Moi aussi, je veux laisser. Et tout a changé dans sa vie. Je veux que les personnes, qu'on soit beaucoup à monter avec lui. J'évangélise par les chants, j'évangélise par l'image. Donc, c'est ça le but de... Et c'est que de ma musique, de tout ce que, même de cette interview, que les personnes voient ce que le Seigneur a fait et qu'ils viennent à lui. Amen.
c'est profond ça. Et en termes de collaboration, il y a une chanson que j'aime bien que tu as fait avec Frère Michel Bakel. Deuxième regard. Comment est venue cette connexion là pour sur cette collaboration? En tout cas, Frère Michel Bakena, je l'apprécie bien. C'est vraiment un frère qui est spontané, qui est humble. J'aime beaucoup son humilité. C'est vraiment un frère qui est venu quand on a beaucoup de témoins. Et quand pendant ma conversion, il est venu vraiment me dire félicitations, bienvenue. C'était vraiment c'était comme un cadeau. Tu le connaissais déjà ou c'est juste... Non, mais c'est une star. Oui, mais... Bon, je parle personnellement, dans le sens où... Non, pas personnellement. Ah, c'est juste parce qu'il est ouais, content non, que... Pas personnellement, on n'avait pas de... Ah, non, pas personnellement. Okay. C'est une star. Mm-hmm. C'est une star et voilà, il sait aussi que je suis dans la musique, que je me suis convertie, il savait. Il est venu m'écrire, demander mon numéro. Voilà, il a appelé, j'ai parlé avec lui, il a dit vraiment, il a écouté beaucoup de conseils. Et il m'a dit, tiens, cette chanson, c'est pour toi. Okay. Et quand il a voulu faire un album avec les femmes chantent, il m'a demandé aussi, il lui a dit, ok, il n'y a pas de soucis, pourquoi pas. Après, on a fait ça. Okay. Et deuxième. Et les featuring, ce sont des choses qui te disent souvent de faire des featuring. Oui, mais je ne vais plus faire des choses par moi-même. Okay. Parce qu'il y a beaucoup de... Franchement, dans le gospel, il y a beaucoup de chanteurs. Franchement, tout le monde... Qui chantent bien, qui... Là, parfois, tu te dis... Toi aussi, chantes bien, hein, là. Tu peux pas faire... On sait que tu es humble, mais bon... Voilà, il faut commis le mot la tête, tu es big comme ça. Non, mais oui, mais vous savez, j'ai vu, là, je suis arrivée dans le gospel, mais je trouve des très, très, très bonnes chanteuses. C'est vrai. Des très bons chanteurs, vraiment des personnes. Il y a vraiment, tout à l'heure, je disais, on a vraiment du contenu. Hein. Mm-hmm. Après, quand j'écoute des chansons, je me dis, mais ah bon? Donc, il y avait ça aussi. Je ne m'ennuie pas. Ça ne me manque pas la musique que je faisais avant. Ça ne me manque pas la musique du monde. Ça ne me manque pas. Et je passe des moments avec du gospel. Je ne m'en lasse pas. Je découvre tous les jours. Et ces derniers temps, je suis en train d'écouter l'album de Grace Lowe, quoi. Ah ouais. Et je suis en train d'écouter l'album de Jonathan Gongela. Ah ouais. Et je ne m'en lasse pas. J'écoute Todd Dulaney. Non, mais c'est trop beau. C'est trop beau et il y a des traits. Oui, mais tu sais pas. Après, bon, il y a quand même quelques démons, des personnes qui me disent on chante. Et on peut chanter, mais que Dieu soit là. Voilà. Mais quand tu écoutes t'écoutes leur musique ou c'est plus leur performance vocale qui te fait scotcher à quelque chose que tu aimes bien?
Il y a des musiques que j'écoute pour mais juste pour juste comme ça pour voilà pour être dans l'atmosphère. Mais il y a des artistes que j'écoute, c'est comme des, en fait leur voix c'est comme une, c'est comme des vocalises pour moi. J'essaie de faire comme eux pour ma performance. D'accord. Et aussi, je plonge dans la présence des dieux. Parce que vraiment, il y a des chansons qui, quand j'écoute, et même le Saint-Esprit me dit, écoute ça. Mmh. Okay. Quand je veux prier, tu sais que je mets ça. Ça, c'est ma... Je mets ça. Mmh. Voilà. Okay. Est-ce que tu sais que Sandra Mouy, la chanson « Seigneur Jésus, je viens à toi », c'est une chanson qui me faisait peur. J'étais encore dans le monde. D'accord. La partie là, je disais, Napoléon. J'écoutais son album là. Ouais. Et. Quand tu as l'autre, quand tu as l'autre, je dis, Napoléon. J'ai l'air optique un peu. En fait, ils ont comme eu à côté la chanson. J'aimais beaucoup la chanson. J'ai même interprété ça. Quand j'ai fait le témoignage à Parole du Salut, et c'est la chanson que j'ai interprétée. Okay. Et quand la partie à Jésus, je viens à toi, Seigneur, tel que je suis. Parce que quand j'ai chanté ça, j'avais envie de pleurer. Okay. C'est comme si Jésus me disait, viens, oh, c'est la vie. Viens, ma fille, viens. Et Sandra, en fait, ton album là, la chanson là, c'était la chanson ouf. C'était pour toi, quoi. Elle a fait ça exprès. Dieu lui a dit, fais ça exprès pour elle. Ça a payé, je te bénis aussi, Sandra. Donc, du coup, tout a changé. J'imagine que c'est sur les plateformes de téléchargement déjà. Donc, on stream, on télécharge légalement pour soutenir notre sœur. Très belle EP. Et tu t'es inspiré de quoi pour sortir ces chansons? Moi, je ne savais même pas que j'allais chanter encore. Ouais. Mais ça serait une perte parce qu'avec la voix que tu as, je me disais, le Seigneur, je sais que tu m'as donné une voix. Si tu veux que je chante, je chanterai. Si tu me dis laisse, fais autre chose, je verrai. En fait, jusqu'à ce que quand j'ai commencé à chanter à la chorale et tout ça là, et j'ai commencé à la maison aussi, le Saint-Esprit commençait à m'inspirer des chansons et tout ça là, l'envie de revenir encore à la musique comme ça. Et le Seigneur me l'a donné, me l'a redonné encore. Et c'est là que je commençais à travailler depuis 2020. J'ai commencé à travailler ça, l'album et tout ça là. Là, on est encore en train de travailler. Et il y a d'autres projets qui vont venir. Et voilà, mais m'inspirer de quoi? Mais Dieu, c'est Dieu qui donne les couleurs lui faire. C'est Dieu. Et voilà, et je pense que les choses, Dieu lui-même a disposé les choses, il a permis les choses. Et c'est vraiment parti comme ça. C'est vrai qu'on a rencontré beaucoup de choses, beaucoup de combats aussi. Justement, c'est cette question que je voulais te poser ça dès le début, mais ça va, comme tu as dit, puis le combat, est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas quelque chose qui veut te ramener là où tu viens? J'étais surpris hein, quand j'ai lu le passage où Jésus disait à Pierre, le diable te cherche pour te tribler. Quand tu seras converti, affermi aussi les autres. Les réclamations, tout ça, ça sera toujours là. Ouais. J'étais surpris aussi d'entendre papa Carlito me dire, mais toujours des combats jusqu'à aujourd'hui, le diable il est pas, il dort pas, il dit ah bah, tu imagines lui, lui ça fait très longtemps. J'étais surpris quand j'ai lu Luc 4, à la fin la Bible dit le diable s'est retiré pour un moment. Je dis comment ça pour un moment? Qu'il aille là-bas pour des bons. Non, il rôde. La Bible dit l'ennemi rôde, il cherche, il cherchera toujours des stratégies. Il y en a, il sera toujours là pour combattre. J'étais surpris quand Jésus disait, vous serez persécutés, mais prenez courage, je serai toujours avec vous, vous serez là. Et c'est pour ça, moi, le Seigneur, il est Emmanuel pour moi. Il est avec moi, je n'ai pas peur, comme
Pasteur Nadège Mpouma qui dit bah, ça les lourdes, ah, ça les lourdes, je sais qu'il est avec moi, il peut rôder comme il veut, qu'il rôde, il n'y a pas de souci. Moi, je sais que le Seigneur Jésus-Christ est avec moi. Il y en a. Ça, c'est clair. Et du coup, aujourd'hui, tu es dans une église établie, tu es suivi par des. Je suis membre d'une église. En fait, maintenant, je suis à Phila. Puis la Cité des Adorateurs, puis le pasteur Namak. Et voilà, je suis là-bas. Alors, on adore le Seigneur et ça se passe très, très, très bien. Amen. Déjà, je remercie Dieu. Merci beaucoup pour ce pasteur qui m'a accueilli avec sa femme. Maman, vous aimez. Toutes les personnes à Phila. C'est vraiment une famille, Phila. Cité des Adorateurs, c'est vraiment une famille. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette interview? Tout ce que vous pouvez retenir, que Jésus vous aime, Jésus nous aime et il nous veut avec lui. Et il revient très, très, très bientôt et il veut que nous soyons avec lui quand il sera venu. Et merci beaucoup, Grâce Musique. Je remercie mon équipe et mes équipes, des Fions. Je remercie OE Communication. Et merci beaucoup à mes partenaires, merci à toutes les personnes qui ont contribué pour que cette EP puisse voir les jours. Merci beaucoup à mon Seigneur, merci beaucoup à Diezola, merci beaucoup à Maître David Combé, merci beaucoup à qui encore, à GB Coiffure, merci beaucoup à Kimia, Kimia Photo, Studio Kimia Prod, voilà. Et merci beaucoup à Ranger Smith, merci beaucoup à toute mon équipe, à ma famille, à mon église, merci beaucoup à mon pasteur, merci beaucoup à toutes les personnes qui prient, qui continuent à prier. C'est que je vous demanderai vraiment, vous qui avez prié pour moi, et continuez à prier, j'en ai vraiment besoin, j'ai conseil, besoin de vos critiques, besoin de vos mots, tout ce que vous envoyez par les réseaux, je vois. C'est vrai que parfois je ne vois pas tout, désolée. Je ne vois pas tout. Mais... C'est à côté de la musique, je travaille aussi. Et tout voilà. Mais en tout cas, je sais que quand vous priez, le Seigneur écoute vos prières. Et ce que le Seigneur est en train de faire dans ma vie, c'est aussi grâce à vos prières, continuer à prier et prier aussi pour les autres. Et vraiment merci, merci aussi à un couple merveilleux que j'aime beaucoup, couple YOLO en Irlande. Merci beaucoup à Grâce Musique en tout cas, merci pour toutes les personnes qui me soutiennent, tous les groupes là de Instagram. J'ai vu comment c'est une grosse communauté. Je merci beaucoup, vous êtes des partout, vous me soutenez, ça me touche énormément. Merci aussi. Merci à tout le monde. Merci à mon père, à ma famille biologique. Et merci beaucoup et que Dieu se souvienne de vous. Et priez pour moi. Parce que la Bible dit, celui qui persévérera jusqu'au bout, c'est celui-là qui sera sauvé. Amen. Je veux persévérer jusqu'au bout et j'y arriverai par la grâce du Seigneur. Amen, 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 amen. Bon, ben, merci MJ. C'est moi. C'est un plaisir. Et nous espérons que le Seigneur fera de grandes choses dans ta vie. Amen. Personnelle et artistique. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Merci. Merci à vous qui nous avez suivis et à la prochaine pour une autre édition. Merci. Ciao. Tout a changé.